Insectes. Ouh. Ça, c'est un bon thème. Ça, c'est un bon thème, ouais. Pas... Alors, on a que 5 minutes, donc soit on fait une genre de mante religieuse, ou je sais pas, un petit scarabée, un petit truc. Oh, il est tellement stylé, mec, avec les ailes au milieu, là. Enfin, les genre, la genre de séparation au milieu. Ah ouais, franchement, mec, je kiffe. Hein. Yo tout le monde, c'est Laser Production, j'espère que vous allez bien, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau build battle sur Minecraft, et on est en compagnie de Dutch. Salut mec, comment ça va mon petit pote, la forme? Hey mec, ça va, super mec. Ça va, tu te portes bien là, avec tous ces petits abonnés qui sont à tes pieds là, prêts à te suivre partout? Bah, ils sont tous en train de nous rentrer dedans là. Ok les amis, bah c'est parti, on va lancer une première partie de build battle, et ça fait longtemps qu'on a pu jouer, hein. Mais moi là ça fait... Ça commence à faire un petit bout de temps que j'ai plus joué en build battle. Et voilà, ça va faire plaisir, regardez-moi ça, voilà, on voit un petit peu tous les abonnés, enfin tous les abonnés, toutes les personnes qui sont en train de rejoindre. Alors, vous voyez voir un petit peu le niveau, niveau 4, oula, niveau 2. Souvent, il y a un abonné, il y a un abonné Cookie Crumble, non mais c'est des malades, les mecs vraiment ils nous rejoignent dans les parties, regardez ça, il y a des abonnés, je suis mort. Mais mec, c'est les mêmes abonnés qu'avant, c'est les mêmes abonnés qu'avant, regarde-moi ça, c'est des malades mentaux. Vraiment, c'est des fous, Emma, Cookie Crumble et Géant Hero Brian, bah dédicace à vous. Et on est parti directement, là, peu importe le thème, on le fait. Fourniture, ok. Alors fourniture, c'est bah, de la fourniture tout simplement. Hein. Ça peut être des chaises, des tables. En fait, je sais pas ce que ça peut être. Bah, t'sais, par exemple, quand j'ai mis des mods, par exemple des fois, genre pour acheter de la fourniture, bah c'était genre des chaises, des tables, bah, des écrans de PC, des trucs comme ça. On fait une table et genre on fait. J'en peux plus de cette table, Dutch. À tous les épisodes, on fait une table. Y en a marre de cette table, Dutch. Y en a marre. On fait une table, on fait genre, on fait une télé et tout, genre on fait vraiment. Vas-y. Et un petit fauteuil. Voilà, une petite table, un petit fauteuil et une télé. Voilà, ça je pense ça sera suffisant. Oula. Je sais pas, attends. Je suis parti sur un truc bizarre là. C'est parce que j'étais en train de parler en même temps, je suis désolé. En tout cas les amis, je voulais vraiment vous remercier par rapport à tous vos retours voilà, sur les build battles, c'est super cool à chaque fois. Vous êtes plein à me dire oui mais Laser, fais ça. Enfin franchement c'est trop cool. Donc vraiment merci beaucoup pour tous vos retours. N'hésitez pas à aller voir les anciens épisodes si mais c'est pas encore fait. Allez voir un petit peu ce qu'on a fait comme construction. Et voilà, je rappelle vous là qu'on fait une partie de 5 minutes, après on en fera encore une de 5 minutes, et après on en fera une de 10 minutes pour terminer. Et la partie de 10 minutes, c'est souvent la meilleure. Parce que là en fait les deux premières parties de 5 minutes, c'est des parties un petit peu de chauffe, tu vois. C'est les parties où on un petit peu là pour s'échauffer et après on va partir sur un sur une vraie partie. Bon garçon. Exactement. Est-ce que tu me prépares la petite télé? Vas-y t'inquiète, je te remplis moi. Vas-y, fais-moi la petite télé au milieu. Enfin commence. Et moi ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de faire une jolie chaise, ok? Je vais essayer de faire une jolie chaise. Okay. Comme ça. Ou un petit canapé, je sais pas, un petit fauteuil, ça peut être sympa, peut-être un petit fauteuil, tu sais. Un gros fauteuil. Vraiment taille gros personnage. On va essayer de faire ça. Tac, tac, voilà, nickel. En tout cas, les amis, moi, je viens à peine de lancer Minecraft, donc je vous avoue que là, c'est assez compliqué, là. Je reprends en même temps que vous, là. Je reprends en même temps que vous. Donc, on va essayer de faire un truc propre. En tout cas, ouais, franchement, c'est cool. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, tiens, d'ailleurs, j'y pense, hein, le petit pouce bleu, là, il est où, les gars, là? Vous l'avez oublié ou quoi, là? Là, je te vois, Donovan, derrière ton écran, là. T'as pas mis le pouce bleu, hein. C'est pas avec vous, ça, hein. Il reste une minute, les amis, donc on va voir un petit peu ce que Dutch a fait. Je me suis pas du tout spoil, là. Donc j'espère qu'il a fait du lourd. Si il a pas fait du lourd, bah il va être viré tout simplement les amis. C'est la règle. Voilà. Non je rigole. Ah ouais, elle est stylée ta télé, c'est bien. C'est grave bien. Est-ce qu'on ferait pas un petit câble qui part derrière, tu sais, un peu en mode c'est relié à une prise. C'est armoire ou je sais pas. Ah mais non, ouais. En fait, y a plus de temps. Et on va essayer de prendre un petit bloc noir. Ils ont pas d'imagination, voilà quoi. Après. Voilà, après, on peut pas faire grand chose. Pas d'imagination. Et bah voilà, j'ai carrément fait une petite prise, mec, c'est fou. C'est incroyable. Et voilà, bah c'est plutôt pas mal, franchement je suis content. Plutôt pas mal, le petit fauteuil qui passe super crème, juste ici, la petite télé, la petite souris, et le petit... Je me dirais qu'il est un peu malade, mais... Comment ça, mon siège, il est malade, il est très bien, mon siège, gros. Alors, eh ben, on commence avec une personne qui a fait un siège, sympa. Alors, qu'est-ce qui est posé dessus? Réponse A. Ça ne doit pas être très agréable, mais... Ah ouais, ça, c'est plus... ouais, bah, c'est un coussin... Ouais. Allez, on met OK les amis, on met OK. Il a posé la petite boule de pétanque sur son coussin et voilà quoi. La boule de pétanque. Comme ça, si jamais José il l'appelle pour faire une petite partie de pétanque, il est prêt. Alors, bah lui il a voulu faire un genre de barbecue, j'ai l'impression, ou un four, ou je sais pas trop ce que c'est, une machine à laver. Non, je crois qu'il a voulu faire un siège hein, aussi. Hein. En fait, genre tout le monde a pensé au siège. Bah oui, parce que mec, fourniture pour moi c'est directement un siège quoi, je sais pas, ça me fait penser directement ça. Bon, moi je m'aimais les gars, c'est pas fini. Quoi. Le confort. Salut Laser et Dutch, les best du monde. Bah merci aux abonnés dans le chat. Hein, c'est vous, j'ai l'impression d'être en live. J'ai l'impression d'être en live. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, je sais pas, c'est okay, un... Ok, parce que c'est pas terminé. Quoi? Mais non, mec, moi je m'aimais, hein.
Je mets mai, hein, c'est pas fini, je suis désolé, en 5 minutes c'est un peu honteux. C'est mai en fait, c'est même mai en fait. Ah ouais, c'est mai, hein. Je suis désolé les amis, mais là c'est pas fini, c'est un peu dommage. Ah bah ça c'est pas mal ça directement, tu vois. Ça c'est sympa. Le petit canapé, bon pourquoi pas, la petite télé. Ouais. Allez, vous savez quoi, je vais être gentil, je vais mettre ok. Mais là c'est... Ouais, j'avoue qu'en 5 minutes c'est peut-être un petit peu... C'est pas foulé, foulé. Un petit peu lent. J'avoue qu'en 5 minutes c'est peut-être un petit peu lent. Mais c'est pas mal quand même. Moi j'ai mis ok, ça passe. Et pour l'instant on n'a pas de réel adversaire encore, hein, ça va. Hein. Alors Dutch, cœur, laser, cœur. T'as les abonnés, je vous jure quoi. Franchement mais c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon, après, mais c'est dommage qu'on ait pas de. Ouais, voilà. Professionnel, donc désolé, mais on met un ok. Ah, très bien. Okay, allez, tu sais quoi, vas-y, moi aussi. Ah non, moi j'ai mis good, moi j'ai mis good. Allez, moi j'ai mis good, je suis sympa. On reste professionnel, on reste professionnel. Mais c'est quoi ça? Mais y'a combien d'abonnés? Laser Dutch, mais qu'est-ce qui se passe? Encore, ça fait beaucoup là, non? Non, mais c'est scandaleux, les amis. Bon, allez, je mets ok. C'est gentil, etc. Mais. Je mets ok. Je vais mettre un petit smiley, voilà. Merci, les amis, merci, c'est gentil. Vous êtes super sympa. Et comme dit Dutch, en fait, moi je préfère largement avoir des vrais bulles que des laser Dutch cœur. Genre, c'est gentil, tu vois, mais voilà. Oui, ouais, ouais. Et voilà, notre petit bulle, les amis. Et franchement, il est sympa. On peut la racler, là. Dis-nous la racler. Allez-y, montrez-nous un petit peu de quoi vous êtes capable, les gars. Montrez-nous un petit peu. Mais franchement, c'était vraiment sympa ce qu'on a fait. Hein. 4 règles. Une petite télé, la petite souris. Et les gars, mon fauteuil, il est magnifique. Je suis choqué de moi-même. Mon fauteuil est vraiment sympa. J'aurais peut-être dû faire des. Eh ben, on est premier. 39 points, non, mais c'est incroyable. 39 points les amis. Et bah GG à Emma aussi qui est deuxième. Et GG à Dablobster16 et Edwig qui sont troisième. Et bah les gars, plutôt on commence plutôt bien. Ça fait plutôt plaisir là, on commence plutôt sympa avec cette petite table, cette télé, cette souris et ce petit fauteuil. Et donc bah du coup on relance directement. Insecte. Ça c'est un bon thème. Ça c'est un bon thème, ouais. Alors on a que 5 minutes, donc soit on fait une genre de menthe religieuse ou je sais pas, un petit scarabée, un petit truc. On pourrait essayer de faire mec, ça, non? Chacun fait un insecte, ok? Non, mais moi je sais pas faire d'insecte, c'est pour ça. Fais un insecte, je sais pas faire d'insecte, moi. Moi vraiment, sincèrement, mec, je suis sincèrement perdu, hein, je moi, te dis. Hein. Mec, je vais faire quelque chose, je vais te donner un petit indice. Moi je te dis, on peut essayer de faire un genre de cercle un peu comme ça, et au mec, milieu tu fais l'insecte. Je te donne un indice sur ce que je vais faire, ok? Vas-y, mais tu sais quoi, je t'aide à le faire, moi, ou je fais un peu de déco autour, je sais pas. Ali tu vas ben, faire un. Ali Ben, c'est un cafard! Tu vas faire un cafard, c'est ça? Tu vois, regarde, moi je te fais un petit décor autour là. Je te fais un petit décor de montagne pour faire un petit peu. Ali Ben Seng Kafar. Franchement, les amis, cette vidéo, mais cette vidéo, tu sais qu'elle date de, je sais pas, genre 2010 peut-être, je sais pas. Je sais. Mais elle date d'il y a si pas longtemps, Ali Ben Seng Kafar. Et moi je sais que c'était à l'époque, je crois qu'à l'époque c'était Hugo Posier qui l'avait vachement popularisé. Il était dans chacune de ses vidéos là. J'ai connu comme ça moi pas. A chaque fois dans ses vidéos, t'avais un mec qui faisait Ali Ben Seng Kafar. Oh mec, en fait ça part bien ton cafard, ça part très bien là. Et franchement, moi je suis content là, putain, et en fait on est tombé sur des bons thèmes, hein. Franchement les amis, moi je vous dis, en fait, quand on fait pas de vidéo en fait en bull battle, moi je me force à pas jouer. Je fais exprès de jamais jouer en bull battle, comme ça au moins, bah je tombe jamais sur des thèmes qu'on a déjà fait avec Dutch hors vidéo. Vraiment, qu'est-ce que j'aime mettre un petit peu de verdure dans les bulles là, ça rend tellement bien, moi je trouve, genre c'est incroyable, genre tu mets un tout petit peu de feuilles, des petits arbres, des trucs et tout, genre ça se marie tellement bien. J'adore la nature, oui. Les amis, vraiment, c'est ma passion. Nickel, et bah écoute, ce que je vais faire, tu sais quoi mec, je viens d'avoir une idée. Alors c'est peut-être un peu compliqué à faire, mais je pourrais essayer de relier à certains endroits comme ça pour montrer que justement c'est plein. Ah, ça peut être sympa de faire ça. Ça peut être sympa, essayer de mettre des armes, mais bon, en fait on aura pas assez de temps je pense. Si on aurait eu 10 minutes, je pense qu'on aurait eu assez de temps, mais là ça va peut-être être un peu compliqué, je sais pas. Ou alors je vais juste le faire sur ce côté là. Je vais juste compléter un peu sur ce côté là, histoire de mettre un petit arbre ou un truc comme ça, je pense que ça peut être sympa. Il reste 30 secondes, alors attends. Il pas faire. Il reste 30 secondes, attends, j'arrive, fais voir. Oh, il est tellement stylé, mec, avec les ailes au milieu, là. Enfin, la genre de séparation au milieu. Ah ouais, franchement, mec, je kiffe, hein. Bah, vraiment, mec, là, je kiffe de ouf. Incroyable, vraiment incroyable, t'as grave géré. J'avoue, c'est quoi aussi. Essaye de caler un petit... T'as géré le décor, mec, t'as géré de fou le décor quand je me mets là. Quand je me mets juste là où je suis, mec. Ah ouais, tu kiffes. Tu kiffes ou quoi? Bah, ça fait plaisir, bah, merci, mec. Très beau. Merci. Attends, je rajoute 2-3 petites feuilles ici là. Voilà. Et bah j'avoue mec, c'est magnifique. Et voilà les amis, du coup là notre petit cafard. Très stylé. En tout cas, c'était un insecte. Oula. Donc ça rentre dedans. Alors ça c'est une genre de mouche, j'ai l'impression. Une genre de mouche, une abeille et une fourmi. Oh, en vrai, je trouve ça pas mal. Attends, c'est quoi ça? Je trouve ça pas mal. Je mets good. Allez, je suis gentil. Mets-toi là où je suis, attends. Mec, c'est quoi ça? J'avoue que la tête de la mouche, la tête de la mouche est assez incroyable. Oh, une coccinelle. Ah, elle est mignonne en vrai. Une coccinelle. Je mets good, moi. L'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a fait l'inverse des couleurs. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais je crois que ça existe, les coccinelles toutes noires.
Je crois, hein. Je sais que les coccinelles Kaiji, je crois qu'il y a des coccinelles toutes rouges, des coccinelles toutes dorées aussi, rouge, je crois que ça existe. Rouge, en fait c'est rouge avec un... Avec un petit peu de blanc dedans. Laser Dutch, de nouveau, on reprend les petits abonnés qui ont réussi à nous rechoper. Super, bon là on a quoi? On a un petit papillon. Bon, moi je mets OK. Je mets OK parce que les papillons sont pas si bien que ça. En fait, ils sont un peu longs là, c'est dommage, c'est trop long ici le... Si je pourrais donner 2-3 conseils, c'est un peu trop long. Ouais. Un tout petit peu de détails. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que c'est une coccinelle parce qu'on dirait plus une table. C'est une table de Ouija, c'est ça? T'es le mec con. Non, mais en vrai, je sais pas. Tu mets le même avec le mec où genre, il y a des calculs, il y a des équations tout autour de lui, ça fait une séquence. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est bizarre, je sais pas du tout ce que c'est, les amis. Si vous savez ce que c'est, franchement, dites-moi, mais pour moi, c'est pas un insecte. Oh, c'est Spider-Man. C'est quoi ça? Pourquoi il y a Spider-Man là? Le thème c'est insecte, c'est pas araignée là. Ah, l'araignée elle fait un peu peur. L'araignée fait un peu peur. Franchement, tu sais quoi, franchement, je m'égoûte. Je m'égoûte parce que bah il a voulu essayer de faire une araignée et puis Spider-Man c'est sympa. Pourquoi pas? C'est rigolo. Allez, c'est rigolo. Oh, mais mec, franchement, le best hein. Oh, mais le best hein. Franchement, tu vois, quand j'arrive sur le build, vraiment, je me dis. Il y a un truc qui choque, tu vois, il y a un truc qui fait que waouh, c'est trop beau. Seulement du orange. Alors toi, la pire, alors toi, c'est vraiment honteux. 220, 756, 33, voilà. Dutch Laser. Alors, c'est sympa. Et franchement, c'est pas parce qu'il y a marqué Dutch Laser, mais je trouve ça quand même sympa. Après, moi, je mets good parce que ça manque un petit peu, je trouve, de. Les abeilles et tout. Ouais, voilà. Ça manque un petit peu de choses. Pourquoi un bloc jaune ici? Pourquoi un bloc jaune? En fait, peut-être que ça manque un peu d'épaisseur. Genre les abeilles, elles sont un peu trop petites, trop plates. Ouais, c'est ça. Oh, il est méga stylé celui-là. Hein. Alors, le seul point négatif que je pourrais mettre, c'est les plantes en bas. C'est n'importe quoi. C'est vraiment. Il a un peu une tête bizarre. Mais l'abeille, en vrai, non, je trouve elle passe. Mais c'est dommage de ne pas lui avoir fait des yeux à l'abeille. Mais c'est plutôt sympa. J'aime bien. Et ça, ici, un petit papillon. Elle a fait des yeux, justement, mais les yeux sont bizarres en fait. Genre derrière. Ah mince, j'ai regardé l'arrière de la. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais. Mais on est où là? Non, mais où est-ce qu'on est, les amis? Bah, tu sais quoi, je mets OK, mais bon, c'est pas un insecte, les amis, ça. Non, tu sais quoi, je mets merde, mais on est où là? Pourquoi le mec il fait un caca, c'est pas un insecte, ça? Je suis. Ah bah, Alpha Maxime, bah bravo, Alpha Maxime, j'espère que t'es fier de toi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, alors ça, mec, si c'est une grenouille, jure-le de rire. Si c'est une grenouille, jure-le de rire, vraiment. Et la coccinelle aussi elle est sympa. Bon, pourquoi pas? Pour la conception de la grenouille, c'est très simple. Franchemeng. Faire une petite pyramide. Franchemeng, je la trouve très sympathique. La grenouille elle est sympa, la coccinelle aussi, pourquoi pas? Un petit peu plate, c'est dommage. Oh, des vers de terre! Oh, c'est pas mal, j'aime bien. Je mets good juste pour les vers de terre. T'abuses pas non plus. Ouais, j'avoue. Le mec d'aller chercher. Alors, quel est l'insecte le plus facile à faire? Non, mais à part ça, c'est quand même une bonne idée, tu vois. C'est quand même une bonne idée, je trouve. Attendez, les amis, les résultats. Et on est premier, 48 points. Oh bah mec, c'est fou. C'était sûr. Jungle. Alors, est-ce qu'on le fait ou pas? Je sais pas. En vrai, attends, lancer, mec. En vrai, si. Un truc qu'on pourrait être sympa, c'est faire un genre de gros puma au milieu et faire des arbres de jungle sur les côtés. Bon, les amis, bah écoutez, nous, on va reprendre le même principe que la dernière fois, hein, c'est-à-dire faire des petites montagnes. Tu me dis si t'as besoin d'aide pour la panthère. Hein. Tu me dis si t'as besoin d'aide pour la panthère. Je peux venir t'aider à tout moment. Ça va pour l'instant. Ok. Pour l'instant, ça va. J'ai une idée. Tu me dis, n'hésite pas à me demander. Moi, je fais des jolis contours. En fait, j'ai trouvé une technique, c'est trop bien. Genre, en fait, je fonctionne par couche. Genre, je mets pas que du mer ou que du blanc. Ah, ça rend trop bien, mec. C'est abusé. Ça rend trop bien. Ça rend vraiment, vraiment, vraiment bien. Tac, on va mettre des petits tapis, les gars. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Des petites feuilles, histoire d'un peu habiller le tout. Des petites. Un petit peu de lierre. Ça manque un petit peu de bois quand même à mon truc. Hein. Ça manque un petit peu de bois. Je vais essayer de combler tout ça juste après. Oh mon dieu, ce tryhard, les amis, c'est fou. Là vraiment, je couperai plein de fois au montage. Mais on a tellement tryhard, les gars. Enfin, là, on est tellement en train de tryhard, c'est abusé. Je vais mettre 2-3 tapis par terre histoire de faire un peu habiller. Parce que par terre, je trouve que ça manque un petit peu de verdure, tout ça, mais je vais le rajouter juste après. En fait, mec, pour le relief, je vais être un peu juste, si tu veux essayer de le faire, du coup. Mais je pense que je vais être un peu juste. Je préfère rajouter 2-3 petites herbes pour que ça fasse un peu plus joli. Parce que je trouve que c'est pas assez habillé, là, au niveau des herbes. Donc, je te laisse un peu embellir la bête, comme on dit. Je vais essayer juste de compléter un peu avec ça. Voilà, hop. Tac. Tac, 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 tac. Les amis, il reste plus que 26 secondes. C'est extrêmement le stress, actuellement. Voilà, mais ça devrait le faire. Je vais compléter ici. Il reste 20 secondes. 20 secondes, 20 secondes.
Ok, c'est fini. Et là, du coup, tu veux un petit peu que je complète en haut, c'est ça? Et bah voilà, bah c'est pas mal. Oh purée. Ça lui fait des petites oreilles après. C'est catastrophique. Ça lui fait des petites oreilles, c'est pas mal, c'est pas mal. On a fait ça dans la précipitation. Bon allez les amis, c'est parti, on y va directement avec le premier bull qui est super sympa. J'aime beaucoup, je mets great. Vraiment stylé. Je mets great. C'est une trop bonne idée d'avoir fait... Tu vois, il a un peu fait le même type d'arbre que moi. Un petit peu qui part comme ça avec les feuilles qui tombent. Et mais c'est marrant qu'on ait eu cette même idée. Et il a fait aussi une genre de petite structure en ruine. C'est super sympa. J'aime beaucoup. Alors, et ben encore une structure en ruine. Et mais il y a des bons bulles là. Il y a vraiment des bons bulles, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Là, la petite maison abandonnée au milieu, bah en fait, je pense qu'ils reprennent le principe des temples dans Minecraft. Tu sais, il y a donc des temples dans Minecraft qui sont assez sympas. What? Quoi? What? J'avoue, c'est quoi ce skin là? Putain, y'en a vraiment, ils ont un problème mental quand ils font leur skin, hein. C'est incroyable. Oh, alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Alors là, je suis désolé. Légendary. Là, je suis désolé, mais c'est pas ouf. Oh, il a carrément mis la petite truc en liane pour pouvoir monter. Franchement, j'hésite carrément à envoyer à Zwave là pour montrer. J'hésite carrément à envoyer au modérateur. Eh non, franchement, c'est stylé ce qu'on a fait. Hein. Franchement, c'est stylé. Après, tu vois la gourde qu'on a fait par rapport à en haut. Je trouve que ça se voit pas trop parce que vu que c'est noir sur noir, tu vois, ça passe. Oh, alors toi. Oula, Asana, oui, oula, ouais, mais du vert, hein. Mais bien du vert, Asana, parce que là. Toujours laser, faut la même chose. Oh, Alpha Maxime, ça va là-haut. C'est mon petit style à moi. Il est jaloux, les amis. Franchement, il y a plein de jaloux dans la vie. Hein. Alpha Maxime, le premier. Jaloux. Bah, ça, du coup, c'est des arbres de jungle. Alors, les amis, il a fait les arbres de jungle à la main. Rien que pour ça, je mets good. Respect. Il a fait les arbres de jungle à la main. On peut pas les faire pousser, du coup, dans le mode de jeu. Et rien que pour ça, franchement, respect. Et on est. Oh, c'est Alpha Maxime qui a gagné avec 16 points. On n'est même pas dans le classement. Alors, je sais pas si ça bug, ça, ou pas. Parce qu'on a eu seulement 6 votes. Donc, je sais pas si c'est parce que les gens ont pas voté ou que ça bug. Mais en tout cas, on n'est pas dans le classement. Ça, on avait déjà fait, les amis, ça, la dernière fois, dans une ancienne vidéo. On avait fait un super bull de désert. Et je sais pas pourquoi, ça arrive souvent. Alors, est-ce que c'est un bug ou ça... Oula, ça relance directement. Très bien, ça a bugué. Mais ouais, franchement, super bizarre. Et bah, super, bah, j'ai bugué. Ça m'a bugué mon Minecraft. Bon, bah, super. Et bah, les amis, on va devoir s'arrêter ici pour cette vidéo. On va malheureusement devoir se quitter sur les menus. C'est super triste, mon jeu a bugué. Je suis désolé, voilà. Bon, bah, super. En tout cas, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Dommage pour la dernière partie, malheureusement. Mais je sais pas du tout si ça a bugué ou pas. Ou si juste on a... Parce que ça me paraît bizarre quand même qu'on a eu 0 good ou 0 great. Mais je pense que ça bug des fois, c'est normal. Des fois ça prend pas du tout en compte les votes des personnes. Vous avez vu, le premier il a gagné avec 16 points. À mon avis, ça a dû bugger. Ou alors, je sais pas, il y a des mecs qui ont pas dû voter, je sais pas du tout. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour de prochains bull battles sur Minecraft. C'est Laser Production. Ciao, ciao!